À Los Angeles, on peut voir un océan Pacifique et des palmiers sauvages, des Disneylands et des studios d'Hollywood. Moi, j'ai surtout vu des murs peints dans la rue, des murales. J'en ai fait un grand film en couleurs et en musique. Un film où les murs bougent, où la ville danse, où ceux qui parlent rarement parlent. Murmure. Elle est Murals. Plan 1326, prise 1. Clap, on tourne, on a tourné. Au pays de Edison, des Indiens, des cowboys, des tueurs et des filmeurs, j'ai filmé des Indiens, des cowboys, des cosmonautes et des anges. C'est l'Amérique au pied du mur, avec ses métaphores et ses métamorphoses. Mais le musée dans la rue, sans porte ni ticket, est aussi sans gardien et sans protection. L'art du mural est éphémère. Il restera au moins un film, Murmure. C'est le « Autant en emporte le temps » du documentaire. C'est Ben Mur. C'est la cité sans voile, mais non sans mystère, non sans mystique. Non sans problème. Les murs, qui avaient déjà des oreilles, ont des yeux. Et une bouche, ils disent tout. La bombe, la drogue, la police, la misère, le crime, la maladie, la violence, le travail et la nourriture. Ils disent le capital et le jeu, la politique et le sexe, l'amour, le mariage. Ils disent aussi la civilisation de l'image. Qui peint ces murales? Qui les paye? Qui les regarde? Si vous voulez le savoir, venez voir Murmure.